Bienvenue sur Fricade 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi. Quand on a fini de créer un objet en 3D, en général, avant de passer en production, on l'exporte en 2D à l'aide de l'atelier TechDraw pour y mettre les dimensions, les côtes, etc. Alors, on m'a demandé comment on fait pour rajouter le petit cartouche en bas à droite. Vous savez, là, on remet des renseignements. Alors, bon, vous connaissez cette icône orange, insérer une nouvelle page à partir d'un modèle. Donc, on a ici, par exemple, A4, on va prendre ISOPEP. Voilà. Au hasard, hein. Je ne suis pas spécialiste du tout, du tout. Voilà. Donc, on se retrouve avec ça. Clic du milieu, je me déplace. Et on peut déjà compléter les champs. C'est très simple. On double clic là-dessus. Et on met le nom du dessinateur. Voilà. Le nom de la personne qui contrôle. Voilà. Et par exemple, l'entreprise. Voilà. Ensuite. Il y a des échelles, enfin ce qu'on a l'habitude de mettre, le titre, fameux bac, voilà par exemple. J'aurais pu mettre une majuscule hein, quand même, hein, si déjà il est fameux. Voilà, la prochaine fois, ici je n'aurais même dû rien mettre, parce que j'aimerais bien enregistrer ça pour cette page pour l'avoir comme modèle pour moi, pour ne pas avoir à réécrire chaque fois tout et tout et tout. Hein. Donc on a une possibilité ici dans TechDraw. On choisit la page. On va sur TechDraw, exporter une page au format SVG, Scalar Vector Graphique, donc vectoriel graphique, et par exemple vectoriel modèle. .svg. Hein. Donc il faut mettre .svg derrière. Hein. OK. La prochaine fois qu'on voudra ouvrir une page similaire, il suffira d'importer une page, non pas de cet endroit-là, mais de la page depuis le dossier modèle. Voilà, on a une nouvelle page qui s'est mise là avec, vous voyez, les mêmes noms qu'on a marqués. Voilà, c'est un petit détail, mais on va poser la question et je crois que. Voilà, c'est bon de le savoir. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.